C'est très bizarre. Tout à coup, dans quelques semaines, le monde entier se met à nous haïr. Des choses inimaginables. Et le disent clairement. C'est plus antisionisme, c'est antisémitisme. Claire ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est écrit que la Torah était donnée au mont Sinaï. Il s'appelait Horev. Pourquoi elle était surnommée Sinaï ? C'est le mot Sinaï en hébreu qui signifie haine. Dès le jour où on a reçu la Torah, les peuples nous haïssent. Mais pourquoi ? Eh bien, nous, on devrait savoir pourquoi. Parce qu'on a reçu un cadeau qui est extraordinaire. C'est marqué qu'il est Kartov Natate Lachem. Je vous ai donné une bonne acquisition. Dieu nous dit, je t'ai donné une bonne acquisition. Bon, c'est relatif. Pour un petit enfant, des billes, c'est bon. Pour un adulte, c'est idiot. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, une bicyclette, il est content. Quelqu'un qui a plus de moyens, il veut déjà une motocyclette. Quelqu'un qui peut se payer une voiture, alors pour lui, une bicyclette, ça ne sert à rien du tout. Quelqu'un qui est riche, il ne veut pas une voiture, il veut une belle voiture. Un ministre, il veut déjà des motards devant, des motards derrière. Un roi, encore plus. Les anges, encore plus. Chaque chose qui est bonne, pour celui qui est au-dessus, c'est rien du tout. Le plus haut de tous, c'est Dieu. Et Dieu dit bonne sur une seule chose, sur la Torah. Donc comprenez qu'est-ce qu'on a reçu comme cadeau extraordinaire. C'est normal que tout le monde nous haïsse, tout le monde est jaloux. Mais nous, on doit savoir ce qu'on a. Donc on doit commencer à prendre en considération qu'on a une chose de très grande valeur et s'investir. Il n'y a pas de mitzvah plus grande qu'étudier la Torah. Étudier, étudier, étudier. Grâce à ça, on aura bientôt la Géoula, Bezrat Hashem.